Salut Chiki, c'est Mouchou, comment allez-vous? Moi je vais bien et aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 21, l'Atlantide des Sables. Nous sommes arrivés à Ubar, nous sommes arrivés à Himar, c'est la cité perdue de l'Arabie Saoudite. Ouais, c'est bien là. Oh bon sang. Wow. Victor Sullivan, bienvenue à Ubar. Et quelque chose me dit que ça va être un long chapitre. Regardez-moi un peu. Cette ville, si on doit tout explorer, on n'est pas dans la merde pour finir à cet épisode-là. Mais on verra combien de temps ça nous prend. On verra si on finit à l'épisode 12 ou à l'épisode 13. En tout cas, c'est sûr que à l'un d'entre eux, ce sera fini. Je t'avais vu, toi. Un petit trésor. Waouh, c'est incroyable. Les décors sont hallucinants. Aussi bien lorsqu'on est en panoramique sur... le paysage extérieur que à l'intérieur des bâtiments, ces effets d'ombre et de lumière sont super bien. Merde, comment on va faire pour descendre? Incroyable. Voilà comment la cité a pu prospérer. Elle doit être alimentée par une source souterraine. C'est fou qu'elle coule encore après tout ce temps. Ça, c'est quelque chose. Quoi? Non. Non. Pitié. Sully. Je comprends rien pourquoi le jeu s'attardait à... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Merde, c'était quoi ça? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Ils se transforment en djinn? C'est ça le... Putain, ils ont tué Sully, je suis dégoûté. Franchement, je m'y attendais pas. Je suis dégoûté. Vous imaginez pas à quel point. Franchement, je m'y attendais pas, mais vraiment pas. One shot. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ça? Faut que je descende, c'est ça? Ça descend pas.
pas tout seul en tout cas. Mais il est déjà enflammé. Très très mal cette vidéo les gens. Talbot, reviens ici espèce de connard. T'es mort. Tu m'entends, t'es mort. Deux fois qu'il revient là, espèce de... Il est passé où? Ça fait deux fois qu'on lui court après. Cette fois-ci, il nous échappera pas. Je vous garantis. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est impossible. Où est-ce que je suis? C'est Carthagène. Je suis venu ici quand j'étais petit. Retour au début du jeu. Oh merde. Oh non. Oh non. Bizarrement, je suis pas du tout effrayé là. Attrape cette putain de... Ce putain de lampadaire, Drake. Attrape là. Vous êtes d'accord que c'est par là qu'il faut que je passe? Alors pourquoi il n'y a pas attrapé au début? Non. Pff, merde. Par contre là c'est moi qui ai merdé. Désolé. En tout cas la musique est super bien. Je le tue quand même, si. Non. Non, approche pas. Oh non. Oh non, c'est quoi ça? Tout. Tout bouge. Il faut que je sorte. Je dois sortir de là. Non. 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 Je peux pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez tué Sully. Je vais vous buter pour venger Sully. Putain. C'est la cata. J'arrive pas, je suis mort.
tuer Sully. Je vais vous buter pour venger Sully. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis comme drogué, comme la fois où j'avais été drogué. Enfin, pas aussi intensément, mais... Ça reste super bizarre. Des démons! Des démons de feu. Des démons sont... sans fumée. C'est pas réel! C'est les djinns, c'est eux. Des démons de feu. J'ai tué Sully. Non, c'est pas réel. C'est pas réel. Oh putain. J'étais pas bien planqué. Il y a à l'intérieur de la... Non, qu'est-ce que tu fais? J'ai tué Sully. Je suis pas sécurisé non plus à l'intérieur. Tu as tué Sully. Non, c'est pas réel. Ça moins de choses, c'est impressionnant. Il balance des grenades de magique là dessus. Tu as tué Sully. Non, c'est pas réel. C'est pas réel. What? Non, putain, j'avais un sniper. Il arrive par derrière, ils sont beaucoup trop rapides, ils se déplacent. Ça va tuer Sully. Non, c'est pas réel. C'est pas réel. Je dois sortir. Wow. J'ai failli le tuer avant qu'il me... qu'il balance sa boule de feu. Ça va tuer Sully. Non, c'est pas réel. C'est pas réel. Je dois sortir. Je dois sortir. Il l'a pas eu ? Sully est là-bas. Sully? Sully! Hey, Sully! Non. Sully! Non. Désolé, je commande pas beaucoup, mais... Je suis dans le feu de l'action. C'est tellement bizarre.
quoi ça? Mais c'est quoi? C'est complètement lyrique, mais j'adore leur délire, franchement. Je rentre complètement dedans, c'est absolument fantastique, mais bon, depuis le premier Uncharted, on le sait, j'approuve, j'adhère, c'est esthétiquement superbe et bien pensé, c'est nouveau, c'est mystérieux, et c'est angoissant quand même, parce qu'on sait pas du tout dans quoi on s'embarque. Pareil, là, c'est un truc infini, non, ça va. Allez, voilà. On va s'amuser, connard. Chapitre 22, ceux qui rêvent de jour. C'était dans le poème de Laurence d'Arabie que l'on avait au début. Bah non, c'est fini pour toi, mec. Je suis désolé. Par exemple, toi, t'arrives comme ça de front et tu penses que tu vas me tuer alors que j'ai un putain de lance-grenade. J'ai failli crever. J'ai crevé. Grenade plus mec invisible plus sniper est égal à la définition de l'enfer. Bien sûr que c'est comme ça que j'aurais dû faire depuis le début. Que si je survis, attrapez-le. Il était là. Depuis le début, il était là. C'est celui qui m'a tué là. Vite, c'est un thug. On l'a échoué. Non mais dégage, je vais mourir. Je voulais faire une roulade. En fait, le problème c'est que rond, c'est aussi lorsqu'on est proche d'un ennemi, le balancer sur une paroi. C'est exactement ce qui s'est produit. Non, reviens ici. Et voilà. Touché. Deux fusils avant qui arrivent direct, j'aurais dû m'en douter. Faites-le sortir. Oh super. Allez, le gros il arrive. C'est qui? Vite. Prendre la hauteur. On sera plus serein. On sera sûr que personne ne viendra nous tomber par derrière. Je pense que c'est exactement ce qui s'est passé tout à l'heure. Un sniper sur des hauteurs? D'accord, ok.
Waouh. Je one-shot le gros. Entre-toi. J'ai tiré dans la chaîne. Oh, j'ai chaud. Ok. J'ai envie de garder le sniper. De toute façon, il y aura plein d'armes par terre que je pourrais récupérer si jamais. Ce sont plus des djinns, ce sont plus des génies dangereux. Enflammés. Ça, on peut pas le faire. Je croyais que c'était un truc à faire tourner. Mais non. C'est toi, Nate ? Dieu merci. Tu vas bien ? Si tu savais ce que je... C'est quoi le problème ? Qui me dit que t'es réel ? Et ça, c'est assez réel. Pointe jamais de flingue sur moi. Je les ai vus descendre. Juste après l'éclipse. Quoi? Quelle éclipse? Eh, petit, t'as pété les plombs après avoir bu à cette fontaine. Ça vient de l'eau. Voilà ce qui a détruit la ville. C'est pas la colère de Dieu. Toute la réserve d'eau est polluée par une espèce d'agent hallucinogène. Ça a dû tous les rendre fous. C'est sûrement ça que veulent Marlowe et Talbot. Ouais, t'as raison. Cutter a dit, ils contrôlent leurs ennemis par la peur. Ouais, ça doit être ça. En théorie. Sauf que ça rime à rien du tout. Comment ils comptent s'y prendre pour faire sortir l'eau? Non, ça vient pas de l'eau. C'est ce qu'il y a dans l'eau. Comment ça? C'est simple. Écoute-moi une seconde. Salim m'a dit qu'Iram a été maudite quand Salomon a enfermé les mauvais esprits du djinn à l'intérieur d'une urne en cuivre et l'a jetée au plus profond de la ville. Un génie dans sa lampe. Je sais. Ça semble complètement dingue. Donc, tu penses que ce serait pour ça qu'Elizabeth et Dee auraient envoyé Francis Drake ici? Oui. Il voulait pas de trésor, mais le pouvoir. C'est seulement quand Drake a compris son objectif qu'il a abandonné. Il a menti à la reine, en disant qu'il avait rien trouvé, masqué toute trace de son voyage, et réécrit l'histoire. On est qui pour juger Sir Francis? On descend dans ce trou pour mettre un terme à tout ça. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes, c'est une réplique de fin de jeu. Nous sommes à 25 minutes. C'est faisable, les gens. Nous allons terminer le jeu dans cette vidéo. Regardez ça. La ville repose sur cette caverne. Ça a pas l'air très sûr, hein? Donne-moi un coup de main. C'est le moins qu'on puisse dire. On ferait mieux d'aller en bas. C'est évident qu'on allait se servir de ça. Évidemment, je suis dans le mauvais sens. Bon, ça va. Les ascenseurs d'époque étaient vraiment très stylés, même s'ils étaient un peu inquiétants. Ah, Darksider, vous savez, avec des têtes de mort. Bordel. Tu te sens prêt? C'est parti. Wow. Incroyable. C'est comme ça qu'ils amènent l'eau à la surface. Nom de Dieu, regarde-moi ce plafond. C'est incroyable que tout ne soit pas encore effondré. C'est dingue que ça tienne encore. Bah, les mecs d'époque, ils faisaient du...
Il faisait du solide, hein, tout simplement. Au niveau des trésors, je suis un peu à la ramasse. C'est là qu'on doit traverser. Sur les 101 à trouver. Ok, deux trucs, j'imagine qu'on le fait en même temps. Aide-moi à ouvrir. Merci, Solide, m'aider. Oula, c'est plus les araignées, c'est les serpents. Attends. À terre de quoi? Le serpent est méchant? Celui, il est complètement paniqué, il sait pas quoi faire. S'en va. Il s'en va. Pas moyen de descendre, mis à part en passant par le milieu. Elle est magnifique, la statue serpent, seulement j'y vois rien. Le headshot. Ouvre l'œil, scellé. C'est de l'eau. C'est que de l'eau. Enfin, justement, de l'eau contaminée. Headshot. 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 Je suis chaud, les gens. Je suis vraiment motivé à leur en mettre plein la vue. Attendez. On place pas un taux sniper. Terminé. Allez, la voie est libre, là en bas. On descend toujours plus profondément. Vers où ça va nous mener? Sully, il en arrive d'autres! On les a piégés! Merde! Mon dieu, mince, désolé. Je pensais le. Tuant headshot! Je prends la même. Voilà! Non! Trop de grenades. On va commencer à s'attaquer au mec là-bas. C'est bien, on a bien affaibli. Le gros est mort. Mince. Mince. Oui. On y vient, on y vient, on y vient. Médecin de la prescrit. Je prends le Gmol parce que. Ou Gmol, je sais pas comment ça se dit. Wow, impressionnant. Parce que. Il a un zoom non négligeable. Attends, ah oui, c'est lui. Ils sont là-bas aussi. Ah, la double. Non. Si. Non. Si. Il est où le lance-grenade? Non, il m'a one-shot, il m'a one-shot. Il était pas stun. D'ici? Sérieux? On les a piégés. Bon, d'accord. On l'a eu. C'est de pire en pire. Pourquoi ça tire pas sur le crâne? Ah voilà. Là je le one shot. Il n'y en a pas un deuxième? Si. J'imagine pas que ce que devait être le multijoueur de ce jeu avec toutes les maps possibles dans le désert et tout.
J'aurais tellement aimé y jouer sur la PS3. J'aurais dû commencer par là tout à l'heure. Très bien. Et... mais non, encore le bazooka. Boum. Boum. Deux balles de mort. Voilà, tac. Yes. Oh, mais ça, c'est que ça fonctionne bien. C'est que ça fonctionne bien. Qu'est-ce que j'ai ramassé? Merde. J'ai ramassé le sniper. Je voulais le. Oula. Je voulais le lance-grenade. Ça aurait fait un carnage sur ces trois ennemis. Et merde. Je fais que de la merde. Que deux, pardon, hallucination. Ça, c'est la fontaine. Je me le prends quand même. 6 munitions de lance-grenade, c'est pas négligeable. Surtout en fin de jeu. Une grotte. Des araignées? Non. Des ennemis. La vraie. C'était vachement plus du repli dans Uncharted 2, tandis que là c'est vraiment de l'assaut. Hein. Enfin, je veux dire, on progresse alors que dans Uncharted 2 on régressait. Enfin, on s'enfonçait dans la cité alors que là on s'enfonce, mais pas de la même manière. J'avais l'impression qu'on subissait davantage dans Uncharted 2. Difficile à expliquer. On va voir ce qui mijote. Une chose est sûre, ils vont dans l'eau. Hey. Super. Je vais pas lâcher ça. Encore? Sully, viens m'aider. On doit passer là. Bon, j'espère que tu vas pas te faire tuer là, Sully. Réellement, parce que ça fait plaisir de te voir en vie, mais bon. Faut que tu le restes. Voilà le réservoir central. C'est là qu'ils vont être. T'es prêt? Ah ouais. C'est le pont qui traversait. Ça doit être là qu'ils vont. Réservoir central. Central de quelque chose, central de fin du jeu, oui. Doucement. Faites attention. Oh ouais, j'arrive pas à y croire. On doit sortir ce truc. T'as une idée? Ben, ils sont clairement plus nombreux. On peut se séparer. Et les encercler. Ouais, ce serait le mieux. Viens,
Dis-moi que t'as pas avalé de cette eau. Je crois pas. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi on n'a rien de valeur. Bien, il faut filer. Tenez-les, éloignés de Marlowe. Tout le monde dehors. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils voient pas qu'on va se faire enterrer? Pas moi, putain! Encore une fois, ce n'est pas du rush, c'est du gunfight pur. Je croyais pas, mais... Tenez-les, éloignés de Marlowe. Tout le monde dehors. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils voient pas qu'on va se faire enterrer! Quelque chose me dit qu'ils s'en foutent! Pas moi, putain! Oh merde, la ville s'effondre! Faut qu'on se tire d'ici! On doit sortir d'ici! Et vite! L'ascenseur, c'est ça? Chili, par là! Foutons le camp d'ici! Allez, viens m'aider! Checkpoint. Allez, on remonte. Oh, merde! Ils arrivent, à terre! Mais ils sont où? Oh putain. Attention! Je vais mourir. Oui, mais je sais. Ah putain, une balle et c'était mort et là je suis mort. J'ai pas vu l'autre arriver, il arrive comme un fou en fait. Merci. C'est fou. Le mec qui utilise un sniper comme un fusil à pompe, tu vois. C'est quoi, c'est en haut? Là. Par ici, celui. Hé, hey, par là. C'est cool, j'ai trouvé le bon chemin dès le début là. Par où ensuite? Comment on va sortir d'ici? Là. Les rouages. Ah ouais, oui, oui. On va monter là-dessus, ok? Ça tombe en morceaux! Mais non! Mais je suis stun, comment voulez-vous que. Je pouvais pas bouger. Moi, je sais qu'il voulait pas. Mon joystick il voulait pas bouger en fait. C'est tout con hein, mais le fait qu'il y ait eu un tremblement de terre, c'était comme ça, je pouvais pas bouger, du coup je me suis enchaîné les tirs forcément. Il devrait empêcher les ennemis de comment nous tirer dessus lorsque nous on se fait tirer dessus. Lorsque nous on subit Chili, on ce genre de tracas. Alors il va falloir que je vois si je peux pas la tuer dès le début là. Et encore? Mais c'est injuste! Surtout que le checkpoint il est long, il est loin quoi. C'est injuste. Il est où le mec au sniper quoi? Par ici celui! Au lance-grenade je veux dire. Non, au lance-roquette. Comment on va sortir d'ici? Faut que je vois dès que j'arrive. Les rouages! Ils vont pas me tirer dessus pendant que je suis sur les rouages. Il est où? Il est où? Je l'ai échappé. Il est où? Il est où cet enfoiré? C'est lui? Enfoiré. Tu m'as fait perdre deux vies quoi. Là-haut.
Mais Nate, t'es sérieux? Accroche-toi, Nate. Je te demande juste d'aller sur la droite. Oh, sans déconner. Je déteste être bloqué à cause de ce genre de choses. Ok, je sais où est le sniper maintenant, le lance-roquette. Je vais y arriver. Par ici, je sais où il est. On va pas se faire avoir une deuxième fois, troisième fois. Comment on va sortir d'ici? T'inquiète, tu l'as déjà dit deux fois. Les rouages. Eh oui, c'était les rouages. Okay, il est là-bas. Très bien. Ok. Là-haut. Voilà. Fallait pas se précipiter. Attention. Grenade directe comme ça. Et c'est qui me l'envoie là? Au juste. Viens en haut. Attention. On sait jamais. Ils m'auraient bien accueilli, je suis sûr. On va s'en sortir, vivant. C'est la sortie! Allez, on y va. On y est là. Un autre ennemi? Vous, Drake! Le mouvement envahit le palais. La cité même. Waouh! C'est clair, avec 3 balles, on a réussi à détruire une cité qui avait tenu jusqu'ici pendant des millénaires. Talbot, je sais pas ce qu'il est devenu, mais en tout cas. On y est prêt. Cours. Même en arrière-plan, t'as les trucs qui s'effondrent. Et en premier plan aussi, si je me dépêche pas. On y est prêt. Allez. Allez, Nate, perds pas ton temps là. Non, non. C'est par là-haut. La lance, la lance, la lance. Il y a une lance là. Tu crois quoi? Je vais jouer Nate. Yeah!
préfère ce genre de combat que celui contre l'horrible Lazarevitch. C'est beaucoup plus esthétique celui-ci et beaucoup moins dur aussi, même si... Oh. Il va passer loin. Encore. Trêve, Talbot. Oh là là. Celui, tiens bon. Il est temps que ça s'arrête, ce connard. C'est bon, aucun ennemi, juste les éléments naturels qui s'agendent contre nous, mais ça c'est pas nous. Ça pue grave, ça va pas le faire. Salim, venez, montez. Viens, allez, viens, vite. Richesse inestimable, hein? Ben... Ça fait pas beaucoup. Ça suffit. Ouais. Attends un peu, Nate. Ça va? Ouais. Ouais, il y a juste un truc qu'il faut que je te dise, c'est tout. Ok. Dis-moi. Tu sais, mon père était un nul. J'ai mal démarré. Arrivé à 40 ans, je me suis dit que j'aurais jamais de fils. Et j'en ai jamais voulu. J'y connais rien, moi, à l'éducation des gosses. Et puis, t'as débarqué dans ma vie. Et t'as pas... Non, non. Écoute-moi. Il le faut. J'ai fait beaucoup d'erreurs au fil des ans, petit. Beaucoup. Et... Bah, je suis pas... quelqu'un de parfait. Tu me fais ta demande, Sully? Je t'adore, non, mais... stop. Stop. Arrête de faire le malin juste une minute. Ça fait combien de temps que t'as ça? Trop longtemps. Je l'avais perdu. Tu sais, petit, on n'a pas le pouvoir de choisir ses débuts dans la vie. La vraie valeur dépend de ce qu'on arrive à en faire. Hey. Hey. Tu vas quelque part ? Peut-être.
suis vraiment désolé pour ta bague. Ouais. C'est rien. J'ai récupéré encore mieux. On se tire d'ici, d'accord? Ouais. Venez, c'est par là. Ouais. Venez! Et confiance. Qu'est-ce que tu mijotes? C'est pas vrai! Ah, il est moins beau que celui que vous avez détruit il y a 4 ans, mais c'est grand. Allez, voyons si je sais encore piloter cette sale machine. Dis-moi, il y a des parachutes, hein? Ah oui. 3. Bah, plus ou moins. Hop là! Générique de fin. De la fin d'une trilogie de PS3, de jeux de PS3. Ça y est, Uncharted, c'est terminé. Et ça se poursuit. Sur Uncharted 4. Bon, première fois de ma vie, évidemment, je vous l'ai dit, mis à part pour Uncharted 1 que j'avais découvert avant de faire le let's play. Là, ça a été véritablement des let's play, des let's discovers, comme j'aime les appeler pour le Uncharted 2 et 3. Et ça m'a fait vraiment plaisir de les faire avec vous. Je le dis pas vraiment, vous savez, solennellement et tout. Je dis concrètement, ça m'a fait plaisir de faire ce let's play avec vous. J'ai passé de très bons moments, autant à jouer au jeu, autant à vous en faire profiter un maximum. Pour la plupart d'entre vous, c'était des personnes qui connaissaient déjà le jeu. Mais ça fait du bien d'y revenir, peut-être parce que vous avez plus les consoles, peut-être parce que vous avez plus le jeu, peut-être parce que vous avez envie de me voir galérer dessus, c'est possible. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce let's play. Cette trilogie, j'ai vraiment l'impression qu'on marque une fin d'étape, parce que même si on arrive sur Uncharted 4, on voit la différenciation quand même. Uncharted 1, 2, 3, c'était bien ancré dans la PS3, et là, Uncharted 4, ça se passe déjà des années après Uncharted 3, donc 5 ans après, il était sorti en 2011, hein. Ils étaient beaucoup plus rapprochés les premiers opus, je crois qu'ils avaient 2 ans d'intervalle, 2007, 2009 et 2011, là c'est 5 ans entre Uncharted 3 et 4, imaginez-vous comment il est réclamé et attendu par les fans. J'en suis à nouveau, je suis un nouveau fan d'Uncharted, depuis le premier j'ai senti ce feeling, cette fascination pour cette saga, et malgré toutes les critiques que j'ai pu voir concernant le premier qui était en deçà des autres épisodes, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais même le premier j'y suis accroché, et les deux, et les trois, alors oui, mon petit classement personnel, 3-2-1. Voilà, je dis cash, c'est le 3 que je préfère parmi la trilogie pour l'instant, on va voir le 4 évidemment, mais le 3, on prend par les sentiments, on fait découvrir des environnements désertiques et ensablés. Pour moi, dans le jeu vidéo, c'est le décor que j'adore, c'est le décor que j'aime explorer. On a des phases extrêmement sentimentales, je pense par exemple au prologue que j'ai adoré avec l'enfance de Nate, beaucoup de questionnements sur les motivations de Nate, j'ai beaucoup apprécié ça, qui vont revenir dans le 4ème opus apparemment, et ça c'est très très intéressant, du désert donc, ce que j'adore. Alors les phases que j'adorais du coup, ça a été le flashback, ça a été donc au tout début, le château en France, franchement. Le château en France, je crois que c'est l'épisode 3 ou 4, un truc comme ça, ou les deux réunis. Les épisodes 3 et 4 dans le château en France, même s'il y avait les araignées, c'était des décors somptueux. C'était fantastique. J'ai vraiment, vraiment kiffé ce passage-là. Le passage en avion, évidemment, on me l'avait prévenu, je le savais, j'avais déjà vu des vidéos. Mais le faire en vrai, c'est quand même tout autre chose. Ça rend super bien, c'est très court. J'ai eu du mal avec le passage avec le bateau, vous voyez. C'est pas vraiment les décors que j'affectionne. Tout est une question de décor au final, parce que c'est des jeux de plateforme, c'est des jeux de shoot, ça va se ressembler en fonction du level design, c'est vraiment les décors qui vont créer une ambiance, une atmosphère particulière. Et les bateaux, ouais, c'était fantastique, c'était impressionnant, mais j'ai pas trop accroché. C'était le bémol du jeu, il en faut bien un. Un bémol personnel, évidemment, c'est pas du tout objectif ce que je dis, c'est mon impression à moi. La traversée dans le désert qui est juste lyrique et monstrueuse, tout comme les Nate drogués par la fontaine, ça aussi c'était super lyrique et monstrueux. Là on vient de le voir, hein, c'était la fin de cette vidéo. Donc
Voilà, on finit très très bien cette saga qui se poursuit encore, je le rappelle, avec Uncharted 4. Je compte sur vous pour être présent d'ailleurs. On va revenir sur mes scènes préférées peut-être dans Uncharted 1. Je sais pas si j'en ai vraiment. J'ai beaucoup aimé la découverte du château. Les châteaux, ça me botte, hein, faut croire. J'ai beaucoup apprécié la découverte du château dans Uncharted 1. Ah tiens, c'est déjà fini le générique. Putain, j'avais pas vu passer. Enfin, peut-être pas. J'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas eu de gros moments marquants, c'est peut-être pour ça que Uncharted 1 est sous-évalué, parce qu'il n'y a pas de gros moments qui te marquent comme pouvait le proposer Uncharted 2 et 3. Bon, 3 c'est parce que je viens de le faire, mais dans le 1, difficile à dire. Peut-être aussi la jungle, lorsqu'on est dans la jungle et qu'on... Il y a le sous-marin au tout début. Encore une fois, le début était très bien foutu. Et dans le 2, évidemment, pour ceux qui l'ont vu, mon let's play à moi, vous savez que c'est le village tibétain qui reste mon énorme coup de cœur. La traverse en train aussi, qui était spectaculaire, monstrueuse aussi. Et les cavernes de glace avec notre ami... mince, comment il s'appelait déjà ? Tanvin. Ou un truc comme ça. Je sais plus déjà. Ça y est, je les ai tous enchaînés, tout ce qu'on fond dans ma tête. Hein. Déjà, j'avais du mal avec les persos de cet opus, alors ceux des opus précédents. Bref, voilà. Donc, merci à vous de m'avoir soutenu. C'était super sympa. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me faire part de votre propre expérience par rapport à la saga. Je suis plutôt intéressé de savoir comment vous l'appréhendez. Moi, je suis quelqu'un de très positif. En général, j'arrive pas à juger des œuvres avec beaucoup de recul. Il me faut le recul des autres pour me rendre compte de ce qui est bien et pas bien. Enfin, ça dépend. Parfois, je m'en rends compte. Parfois, je me rends compte que de choses que des gens n'ont pas su relever. Mais en général, lorsque j'accroche à une œuvre, je suis tellement catégorique que je n'en vois que les qualités et très rarement les défauts. Et pour Uncharted 3, c'est la même chose. J'ai tout aimé dans ce jeu. Le quatrième, qui est encore plus somptueux, développé spécialement pour la PS4, je le rappelle, va nous offrir une expérience de jeu, je crois, j'espère, j'attends, mémorable. Et elles vont s'enchaîner là. Je suis désolé, je vous ai fait bouffer du Uncharted pendant toute la semaine dernière. Ça a été pour... enfin, je dis ça, mais c'est pas encore fait, mais je pense que je vais faire comme ça. Ça a été vraiment pour boucler l'aventure avant d'entamer Uncharted 4 qui véritablement va sortir dès que le jeu sortira. Enfin, le Let's Play numéro 1, l'épisode 1, sortira dès que le jeu sortira. J'essaierai vraiment d'être in time, hein, d'être d'actualité, pas comme je l'ai pas été pour Ratchet & Clank. Et c'était quoi l'autre jeu, Tom Clancy, où j'ai pris un peu de retard, où je prends encore plus de retard, parce que là en ce moment, c'est vrai, de placer des épisodes de Tom Clancy avec tous les autres Let's Play que je suis en train de faire. Bref, il y aura un Chase Corner pour un Uncharted 4. Ça y est, on arrive à la fin d'une saga, il faut bien que ça s'achève quelque part. Et du coup, qui dit fin d'une saga dit Choice Corner pour vous préparer à une nouvelle saga, à une nouvelle série de jeux. Et donc, je sais pas encore quel quatuor de jeu je vais choisir, mais il y aura un Choice Corner, c'est sûr et certain. Voilà, c'est dur de parler pendant tout un générique. Au final, il est très très long, très laborieux de converser pendant tout ce temps-là. Ouais, ben encore une fois, on a eu un doublage de qualité, la romance qui se finit bien. Après, je sais pas si c'est vraiment très utile de revenir en fait sur ce qui s'est passé dans le scénario. Vous venez de le voir, j'ai pas besoin de faire une synthèse, un bilan. Vous êtes assez grand pour vous le faire vous-même, j'imagine. Ouais, ce sera encore une vidéo de plus d'une heure, je crois, avec le générique en tout cas. Ouais, il n'y a pas eu de gros combats du coup contre Lazarevitch, mais je m'en plains pas. Je m'en plains pas parce que c'était vraiment dur et laborieux. Je sais pas ce que ça aurait donné en explorateur, enfin je sais plus, la difficulté maximum, comment elle s'appelle, ça s'appelle difficile ou légendaire, enfin bref. J'avais fait en normal le jeu Uncharted 2 et c'était vraiment très compliqué, alors je n'imagine pas la difficulté maximum. Là ça va, c'était vraiment... Voilà, quoi, c'était tranquille, la QTE sympa, qui nous offrait des belles chorégraphies, hein. De belles chorégraphies numériques entre Talbot et Drake. Quant à l'autre là, Marlowe, elle a complètement été ensevelie, on n'a même pas prêté attention à elle. Et ouais, magnifique fin encore une fois. Donc au final, Drake a récupéré ou a prévalu l'alliance du mariage qu'il a fait avec Elena. Je pense que c'est passé par mariage s'ils ont des alliances. Il a prévalu cette alliance là plutôt que la relique de Drake. Il s'est séparé de son côté aventureux pour une vie tranquille et rangée et bien méritée. Après toutes ces épreuves, je pense qu'il l'a bien mérité. Une vie tranquille et non aventureuse. Pourquoi y a-t-il alors un Uncharted 4 avec un titre tel que A Thief's End, la fin d'un voleur?
ça fait référence évidemment à Drake, qui est un pur voleur, un pur dérobeur de trésors. Et qu'est-ce que va nous proposer Uncharted 4? Je ne connais rien du tout, j'ai vu une bande-annonce, c'est une bande-annonce d'action, donc je ne connais rien du scénario, j'ai voulu ne pas me spoiler à fond. Premièrement parce que je ne connaissais pas la fin d'Uncharted 3, je ne savais pas qui donc mourait et ne mourait pas dans Uncharted 3, si ça se trouve celui aurait pu très bien être mort à la fin de cet opus. On a pu être... Enfin moi j'ai été bouleversé par le fait qu'il s'est fait tirer dessus au début de cet épisode là. Au final c'était pas le cas, c'est une illusion, mais si j'avais appris que dans Uncharted 4 il était encore dans le jeu, eh bien j'aurais été un peu dégoûté de ne pas me laisser surprendre par les retournements de situation de Uncharted 3. Donc voilà, au moins comme ça j'ai pas su s'il était vraiment encore de l'aventure. Idem pour Elena, donc maintenant je sais qu'ils vont être présents dans Uncharted 4 et je m'attends à tout et au mieux pour le scénario du quatrième scénario, qui je pense a son importance dans cette saga malgré tout, parce que même si elle nous fait voyager à travers une expérience vidéoludique, c'est plus une expérience que qu'un simple gameplay et que on passe d'une étape à une autre. C'est une expérience vidéoludique, c'est comme The Last of Us, j'en avais déjà parlé lors de The Last of Us justement. On vivait une expérience vidéoludique qui lui était propre, et pour Uncharted c'est pareil, on voit bien que c'est Naughty Dog qui a développé les deux licences, et franchement j'attends encore une fois une nouvelle expérience au travers d'Uncharted 4 et jalonné, plutôt rythmé au travers d'un scénario intéressant. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que la question de la motivation de Drake à chercher des trésors qui n'aboutit au final à rien, à chaque fois, pas en termes de richesse, mais en termes de richesse intérieure, qu'il soit riche ou pas, on s'en fout un peu, mais qu'il soit enrichi par ces découvertes-là, eh bien, ce n'est pas le cas au final, parce qu'à chaque fois, il se met en danger et rien n'en ressort, mis à part qu'il a découvert que son ancêtre avait raison et que ça existait vraiment. Alors, le souci, c'est que l'histoire de son ancêtre, il semble, avec la disparition de la bague, de la relique de Drake, il semble s'être détaché de ce rapport-là avec son ancêtre Francis Drake. Donc est-ce que, du coup, dans Uncharted 4, on va avoir une propre initiative, Drake qui va se lancer dans une aventure lui-même, plutôt que sur les traces de son ancêtre? On ne sait pas encore. Enfin, moi, je sais pas. Du coup, comme je vous dis, je ne me suis pas spoilé les bandes annonces. Me dites rien dans les commentaires. Mon but est vraiment de me préserver de toute cette surprise que pourrait me procurer le jeu, parce que j'en attends beaucoup. J'en attends beaucoup maintenant que, oui, voilà, le jeu m'a pris dans son engrenage, je me suis laissé emporter par cette trilogie, ce remasterisation sur PS4, je suis très content de l'avoir acheté. Au final, j'en ai eu pour mon argent, 3 jeux en un sur un remasterisation PS4, en sachant que très bien que, voilà, que j'avais pas les jeux sur PS3, donc je les ai pas réachetés. Alors, est-ce que ça vaut le coup de les réacheter? Clairement, je pense pas. Si vous les avez sur PS3, je pense qu'ils doivent être aussi beaux, hein, à quelques pixels près. Oui, c'est clair que ça doit être plus beau sur PS4, mais est-ce que ça vaut vraiment l'investissement? C'est exactement le même jeu, c'est pas comme le remake de Ratchet & Clank qui peut-être trouvera son intérêt. Je verrai quand j'aurai fini le Let's Play de Ratchet & Clank, soyez-en sûrs. C'est dur de parler longtemps et je sais même pas s'il y a encore des gens qui m'écoutent. D'ailleurs, à tous ceux qui m'écoutent encore, qui ont eu le courage de m'écouter blablater pendant plus de 10 minutes, je crois que le générique fait plus de 10 minutes, eh bien, laissez un petit commentaire. Dites-moi si vous êtes aussi motivé que je pense que certains de mes abonnés le sont. On verra qui c'est qui répond présent. En tout cas, on a fini le générique. Et je suis content d'avoir parlé tout ce temps. J'adore combler les vides. Voilà, retour sur le menu. Merci de votre soutien. N'hésitez pas à laisser un like si la vidéo vous a plu. Un dislike, ça me ferait un peu pas plaisir, parce que je suis assez content de la vidéo que je viens de faire. Hein. C'était une fin de let's play. C'était un commentaire pas trop dégueulasse. Un gameplay pas trop dégueulasse. Quelques morts par-ci par-là, mais ça va. Mais laissez un dislike si vous voulez. Mais si vous laissez un dislike, n'oubliez pas le commentaire qui explique pourquoi vous le laissez. Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore pour les prochaines vidéos? C'est très important, comme ça je ferai un let's play de Uncharted 4 parfait. C'est ce que je veux, un let's play parfait, irréprochable. En tout cas, je vous donne rendez-vous à l'épisode 1 de Uncharted 4. Si vous avez suivi la saga depuis le 1, eh bien, je vois pas pourquoi vous vous empêcherez de regarder le 4. Surtout que c'est de la nouveauté pour vous, pour tout le monde d'ailleurs. Donc suivez-le avec moi, en ma compagnie, ça vous évitera d'acheter le jeu. Non, si vous n'avez pas les moyens, ça peut être une solution. Si vous hésitez à l'acheter, eh bien, ça peut être une solution. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles je vous pousse à regarder mon let's play ou celui d'un autre youtubeur. Mais si vous avez suivi les 3 premiers sur ma chaîne,
ça veut dire que vous appréciez la personne que je suis, donc autant continuer avec moi. Voilà. voilà pour le petit coup de pub. Je vous dis à la prochaine. Merci énormément pour votre soutien. C'était génial cette aventure avec vous, les gens. Je cesse de répéter, mais c'est vrai. Ciao tout le monde. A tout de suite dans Uncharted 4. Boom.